Et on coupe présentation avant nous rentrer dans le débat aujourd'hui. Et TechEd, c'est une entreprise, et parce qu'en plus, nous connaissons qui est là pour, je nous dis, peut-être nos objectifs pour aider nous rendre la technologie à l'épuisement, nous, à travers une quantité de services avec les produits que nous offrons, nous accompagner toutes les entreprises et nous-mêmes et utilisateurs pour permettre que nous sommes capables de rendre la technologie à vraiment l'épuisement dans différentes activités que nous faisons. Ticket de là depuis 2019 et 29 janvier 2024, pour aller faire nos 5 ans, et c'est pour aller un bel événement. Déjà moi dit nous préparer nous pour bel événement ça, parce que nous allons gagner des concours qu'il y a avec sujet sur technologie, nous allons gagner des digital talk spécial et un pile d'autres événements pour 5 ans qui préparent Paris. Mais à ce soir, nous pas venir pour ça, c'est juste une petite ouverture. Mais à ce soir, nous là avec collègue Oben Sendi que moi saluer pour nous parler de empreinte numérique. Nous allons comprendre qui ça veut dire vie privée et protection de données sur Internet. Et je nous connais, nous tous nous connectés, et une majorité de nous. Par exemple, session ça que nous avons fait là, nous avons fait session ça est possible, c'est parce que nous tous nous la caille, nous, bien dans le bureau, nous côté nous y a, mais nous réunis, nous chita là, nos espaces communs grâce avec technologie. Ça veut dire nous utiliser un paquet de données qui traversent là, un paquet de serveurs qui permettent que nous sommes capables de vivre, réaliser, rencontrer ça. Mais, données ça, on peut partager, que ces informations, par exemple, nous pouvons partager là, et plus l'autre information qu'on partage sur Facebook, sur WhatsApp, pour communiquer avec famille, banque qui est en ligne, pour communiquer, pour faire transaction, nous qu'on fait virement bancaire, nous fait l'autre activité, la banque, question santé, nous, par exemple, en pile dans nous, qui dans le domaine santé, nous gagnons et papier, nous qui en ligne de l'hôpital qui mettez des outils pour être capable de numériser. Mais tout ça, c'est un paquet de données personnelles, nous qui avons vraiment traversé, qui avons circulé et dans le monde digital. Là. Nous allons ensemble avec collègue Obed Sendi à Soya, comment nous capables de protéger question ça, qui enjeu ligue la donne et comment vraiment nous capables de protéger question ça. Nous souhaitons vraiment nous faire une belle session ensemble. Et première partie, à mon collègue Obed la parole pour les capables lui-même présenter sujet à. Et puis toi après, nous allons ben nous espace pour nous poser question sur ça qui pas clair et l'autre idée que nous sommes capables de gagner sur question ça. Nous souhaitons nous vraiment déjà une belle session et m'a content ensemble avec collègue Obed pour nous capables de modérer session ça. Collègue Obed, et nous passons la parole. Merci parce que vous rejoignez nous dans la deuxième Digital Talk Ticket. D'accord, et merci et collègue et Freud, et surtout et pour l'invitation d'abord, et puis on connaît, donc depuis c'était quelqu'un qui a fait un bagage, c'est toujours bon bagage, et me félicite pour genre d'initiative ça. Peut-être que longtemps conseil de bagage essayé fait, peut-être que c'est dans le modèle ça, et d'envie aller tout. Et c'est bon bagay. Donc, saluer toute l'équipe TechEd là, et Kassa Major et tout l'autre monde. Et puis, moi, saluer nous tous qui là, et à Soya, pour nous assister avec une présentation ça, sur protéger empreinte et numérique, nous, parce que nous tous nous sur Internet, donc nous pas dans le monde comme si pour nous côté nous cas. Même côté à famille, nous juste souhaitons et puis nous communiquer avec, ou bien nous sommes obligés dans l'université à nous étudier, nous obligés dans l'hôpital là, mais comme bonne bagaille qui est possible, donc grâce à Internet. Donc nous sommes pas obligés de camper devant foule là pour nous faire un discours, donc bien réseau qui permet ça. Donc pendant qu'en pile possibilité, on s'est tout gagné en pile enjeu, en pile et bagaille qui m'a dit pour nous plus prudent sous janouillé sur Internet. Et parce que c'est là nous parler. Donc là, nous dit vie privée avec protection de données sur Internet. Et puis nous t'ai parlé, et depuis avant, nous t'ai parlé de protéger empreinte numérique. Ça qui empreinte numérique là, c'est que dès que nous parlons, on apprend que empreinte numérique là, c'est toujours données nous encore. C'est données nous, c'est données personnelles nous qui parlons représenter empreinte numérique. Nous, ça n'a pas fait sur Internet. Donc nous parlons, ouais, et ça, puis des fois. Donc, dans le plan et présentation, ma batte pour moi très bref, et puis après, ma capable de répondre à une question. Et ça n'a pas ces données personnelles à la vie privée, cybercriminalité dans le monde, qui s'acquitte d'identité numérique, là,
sou internet, pou sou de poteje vi privé sou internet lan, publie bagay ki pou fò jenè, vengeance pornografik, etc. Donc c'est tout sa yo ke nou gen pou nou wè bien rapide, et puis après nap ka kite moun pose kèsyon. Nou pa al fon bagay ki komplike, pou kom se pou tout moun bouye, men nou pa ale doat au but, et puis après nap ka permèt ke moun ki vle pose kèsyon, yo pose kèsyon, pou nou kapab éclairer plus sou sujet a toujou. An nou ale, donè personel, donc, surtout sur Internet, c'est toute information. C'est toute information qui va permettre d'identifier information ça au capable nom, adresse ou téléphone, information sous compte en banque, numéro de sécurité sociale ou email ou adresse IP ou. Donc c'est ça qui représente les données personnelles. Donc et données qui dévoilent l'identité comme nom, l'âge ou sexe ou autorité, activité ou loisir ou carte bancaire. Etat de santé, vie sentimentale, familiale, et tout fait partie de vie privée. Sur Internet là, sur Internet là, quelques informations ça ou qu'a créé une identité numérique. Donc c'est ça que fait nous Talen Babeli ça qui et dès que nous dit protéger empreinte numérique tout, donc c'est protéger tout identité au gain sur Internet là. Donc c'est ça que fait nous parlons étaler là. Et identité numérique là, qui s'allie, nous allons continuer résumé sur ça. Donc, nous allons nous regarder, nous avons tout ça qui représente les données personnelles. Donc, dès que vous tombez dans mauvais mains, vous avez fait un pile de dégâts. Donc, vous êtes justement capable de, dans l'espace physique, nous avons utilisé nos séries de bagages dans la vie et professionnelle, et comme on peut dire, dans la vie quotidienne, nous, donc, il n'y a pas posé problème. Mais les coups, il y a une mauvaise main, et puis, il est tout partout, n'importe où. Par exemple, on nous dit que l'adresse sous tout Internet, là, donc, il y a un monde qui vient contre avoir, qu'on côté pour la chercher. Donc, non, mettez une série d'informations, donc, par contre, qui information, et vous te mettez, vous s'entendez à tout, ou à le mettez. Et numéro compte en banque ou elle met un document qui gagne et information sur sécurité sociale ou elle met email ou n'importe côté, ça fait tout parfois nous on et on a recevoir un ban spam de côté moun n'a demandé nous que essayer prendre lien ça parce que la ban nous mais qui ça le carbone nous mais qui ça et nous gagne comme avantage nous gagne un loto nous gagne un boost nous gagne ceci. Donc, ça que fait nous jouer un email, ça, c'est parce que email nous tout partout. Donc, côté nous mettez email, côté nous jouons, donc c'est ça que fait nous mettez. Donc, si email nous pas tout partout, sur Internet, là, donc, pas besoin de c'est ça que fait données personnelles, donc, ils sont liés avec vie privée, nous. Donc, c'est nous-mêmes qui connaissons qui ça, qui doit dire, et qui soit, qui ça, qui doit rester en dedans. Donc, c'est ça. Donc, et puis, quand nous, dès que mon nom déjà sont données personnelles, dès que mon nom connu, donc, il connaît l'âge, il connaît le sexe, il connaît l'autorité, bon. Donc, toute vie privée pour nous-mêmes. Donc, il connaît l'état santé, sentiment, il connaît qui ça pour dire, il connaît qui j'ai pour parler avant, il connaît tout le bagage. Donc, c'est ça. Donc, enfin, si vous parlez de ça, nous, protéger l'identité numérique, c'est protéger vie privée, vie privée. Donc, les kounya là, moun et ou pas quand on traite comme ça pour à l'aise pour moun entrer aller boussou, pour n'importe moun entrer aller boussou pour regarder tout à fond, pour regarder pièce identité, pour regarder et pour regarder photo, sous gen photo madame ou sous li, et pour le gâter, ou yon pièce ou bien, regarder pour s'il capable de garder ti bay sécurité sociale ou. Donc, conseil de documents et documents qui est très important. Donc, pour n'aller juste pour comme ça. Donc, ça, c'est en dedans. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas qu'à traiter le fou et jeter la donne comme ça. Donc, et protéger vie privée, nous. Donc, protéger identité, nous. Et sur Internet, là, c'est protéger vie privée. Donc, des informations qui pas qu'à n'importe côté. Donc, c'est ça. Et cybercrime dans le monde, là.
Donc, après, il m'a expliqué tout petit prix, ça me venait avec ça. Et World Economic Forum, en 2020, placé cybercriminalité comme troisième risque qui a affecté le monde dans l'institution. Entendez? Troisième risque qui a affecté le monde dans l'institution. Selon chiffres, Cyber Security Ventures, cybercrime pour le coûter entreprise dans le monde là, environ 10 500 milliards de dollars dans l'année 2025. Vous entendez? Revenge porn apply admet que 75% victimes et revenge pornographique ces femmes. En 2022, revenge porn apply a recevoir 9 000 cas échange et revenge pornographique. En noir, là. Dans le premier cybercriminalité générale, donc il met en pile et là nous prend il y a avec entreprise, moun, etc. Donc, les pirates ont compte en moun et ils ont piraté compte entreprise, ils ont piraté site web entreprise, etc. Donc, et ça, c'est représenté le troisième risque dans le monde. Et puis, selon chiffres, Cyber Security Ventures, cybercrime pour coûter entreprise, donc entreprise, donc c'est fait de jour en jour, et entreprise, de très prudent avec et de très prudent avec et comment on va dire les entreprises par exemple au Canada ou bien États-Unis donc les très sensibles pour ça gain rapport avec cybersécurité pour entreprises donc yon business et donc Mastercard, yon business et PayPal, yon série de banques, yon série de business qui très prudent parce que yon connaît qui ça coûte yon. Donc si yon t'a perdu contrôle site web, yon, si pirate, si site yon t'a tombé en bas, mais pirate, donc yon dépensé en pile pour ça. Donc sous pas dépenser en pile pour protéger l'entreprise, mais yon y alors pour le dépenser plus toujours. Capable de réparer dépenses ou pas de faire. Donc, c'est ça. Et pour Revenge Porn Apply, donc, pour mon affaire et Revenge Pornographie, j'en ai parlé, hein, c'est que l'important pour nous connaître que pour mon avoir accès à une série d'informations sensibles. Donc, Revenge Pornographie, c'est ça, nous t'es qui t'est arrivé, ta faire. Donc, il y a un compte en monde peut-être. Je ne sais pas exactement ce que je dis, mais c'est presque cas qui sont similaires comme ça. Mon ami, mon était très proche, il a accès avec information, ou bien il soit il fait photo pour, ou bien l'autre monde qui voyait ça pour lui, donc il prend, et puis il lague sur Internet là pour le faire passer. Et bien, il y a pile cas comme ça, il y a plus que 9 000 cas et revanche pornographique qui était fait. Donc, c'est pas dégueu, donc il est en pile. Donc c'est ça. Donc qui vient montrer que et tant en tout cas sensible avec information personnelle c'est un les plus bons protéger tête tout. Donc peu importe mounouillé, donc sous son et chrétien d'un main toujours protéger réputation ou n'importe bagaille pas dissous donc et nous te gagné 11 amis nous qui te relé babisse bainon donc il prend contrôle compte Facebook il tombé publié un série de bagages donc il était même radié dans l'église il était humilié les pasteurs a dit son mon obscène on va comme ça donc son mondain donc son vieux comportement mondain que les gens donc nous imaginez nous ça donc c'est ça trace sur Internet donc et traces volontaires. Donc, dans la trace sur Internet, il y a différents types de traces. Il y a traces volontaires, il y a traces involontaires, il y a traces héritées. Donc, traces volontaires, c'est données personnelles, nous partager comme nous photo, etc. C'est nous-mêmes qui disons ça, que nous mais comment on est sur Facebook, mais photos, nous voulons mettre, vidéos, nous voulons mettre. Ça, c'est traces volontaires. L'autre bas là, c'est traces involontaires. C'est données qui était sans pas connaître l'aide montée sur Internet.
par exemple, adresse IP nous. Donc, et ordinateur ou bien téléphone nan l'identifié sous site. Donc, yo ouais, on adresse IP. Donc, historique recherche nous. Donc, les nous, ouais, nous avons reçu un conseil de promotion. Donc, yo recevoir historique recherche nous qui dit, mais qui ça nous était recherché avant. Ou imaginez que nous pas besoin qu'on ait ni garçon, une femme ni garçon. Ou imaginez que après, bon monde qui a connu qui sortait chercher avant. Et c'est un peu là nous qui expérience qui connaît juste et chercher une fois qui cherchait un médicament. On a un médicament, après tout. Après, non, on joue bien dans ce maintenant, pas suspendre recevoir publicité sous médicament. Même si ce n'est pas même médicament. Il te cherchera depuis son temps, sur tout côté, sous Facebook, sous Google, etc. Toutes ces rades qu'on a à profiter. Donc, ça est important. Donc, ces informations, ça que vous prenez quand on parle de nos comptes là, ça faut voir comme si vous êtes un ciblo, il y a bon série de bagages comme ça. Donc, c'est ça. Langue nous parle. Donc, les que, où on cite, par exemple, on monte sur le site là, où le site là transforme vini en français. Donc, le site là, il a identifié que c'est dans le pays où il y a, c'est français où on comprend. Donc, il y a bon français. Là. Donc, c'est ça. Donc, il y a localisé, il y a côtoyé. Donc, c'est ça. Donc, ça est important. Donc, et pour nous connaître que, donc, et puis après, qui sous qui ordinateur, et tout ça. Donc, et marketing, donc, qui a très spécifique, qui a même dit qui sous qui appareil, si son iPhone, qui iPhone, etc. Donc, qui est très spécifique pendant que tu es juste cliqué sur un lien, pendant que tu es juste monté sur un site web. Donc, c'est ça. Et puis, gain et trace et hérité. Et ces informations qui sont nous que nous pas publier. Donc, nous, quand nous avons mis nous dans fait, nous faisons photo, elle était publiée sous nous. Même si trace a été n'importe 20 ans, 30 ans et sur Internet, là, donc, même si pas nous était publié, nous n'avons jamais rencontré avec photo ça, mais pourtant, trace a été là et photo a été là. Qu'est-ce que nous devons protéger vie privée nous sur Internet là? Donc, vous devez protéger vie privée vous. Pour gagner contrôle sa cap dissous sur Internet là, parce que c'est pas toute information sous ou qu'a quitté tout le monde connaît. Et puis, si gagne quelques informations, il est tombé dans mauvais mains, donc il a faut crier au même mourir. Donc, nous gagnons déjà, pendant que nous avons un partenariat ensemble avec Meta, donc nous gagnons cas de monde qui tue tête li en Haïti, parce que prend photo, il est tombé publié tout partout. Donc, yon ex-li qui te gen kont avèl an apre, donc ka bal problem, li publie foto, pil foto tout nu sou Instagram. Donc, sa te fè, li te aflige. Chak lè li al bloke page nan, monsieur a kreyon lot page. Donc, la kreyon lot page. Donc, nou te oblige chè son jan pou nou pren de mesyo. Pou sa, pou nou pa repete. Apre, men se sè ki vin di sa. Apre. Men li mèm, li getan moui, malouzman. Donc, se sa. Donc, qui montrait mauvaise expérience que nous avons gagnée, non, prend à la légère vie privée, nous, bien données personnelles, nous. Parce que données personnelles, nous, dès que nous laguions comme ça, donc, nous, bien, nous, faut nous, les nous partager une série d'informations, faut nous sensibles à ça que nous avons partagé. Ça, monde doué, ouais. Parce que Facebook ou bien, Facebook ou bien Twitter ou bien Instagram ou bien TikTok, il n'y a pas un réseau privé. Ou bien, yo pa an koto an ni jis fè men kor kon sa. Men, sauf ke, si ou men ou di kon sa ke, bon, men, se, m di men ki eska pou e a fè, men ki eska pou e a fè, men ki eski gen otorizasyon, etc. Donk, gen posibilite limite a. Men, rezo yo se rezo mondial yo e. Donk, lè koun ya la, ou te pe kampe devan ou pil moun nan, on lè gen 10 moun, et puis qu'on y a là ou devant le monde entier. Donc faut qu'on bien ranger quoi. Même gens qu'on a maquillé pour bien paraître l'église là ou bien entrer l'école là pour bien paraître belle là, et bien comme ça tout l'important pour paraître belle sur réseau et tout pour paraître bien tout pour dire pour bail qui est souillé parce que gens ont montré que oui, c'est comme ça reprend. Donc les qu'on y a là par exemple et en pile travail même États-Unis quitte le Canada, il y a pas un lien sur profil ou. Donc, ou imaginons que c'est un petit selfie cordé au fait. Donc, la manquer professionnel pour bailler ça. Donc, ou bien on pas à l'aise avec ce que tu dis déjà, ou bien ça que tu partages sur profil ou déjà. Donc, maintenant, les qu'on y a là, ou sensible pour ça,
Donc, ça a aidé que, ou pas au demain, les ou dit comme ça, bon, moi-même, je viens bien entendre moi avec telle commune Canada, bon, les magistrats. Donc, laisse ça qu'on y a là, ou pas bien côté pour vous, ou bien dire comme ça, ou bien détruire une bonne photo pour vous, ou bien détruire une bonne vidéo sur vous, pour être capable et faire mal passer. Donc, j'en ai dit là, donc Internet, c'est un espace public, c'est pas non. Et par de chambre, oui. Donc, c'est ça. Et publier bagaille qui pour forger gêner vengeance pornographique. Donc, tout par exemple, ça a des réputations, fait au métro de yon en job ou pe disant mi ou bien et moun ki bo valet. Donc, yo connaît ça. Ça a arrivé que impact ça gen gen moun ki gère crise là en gens, mais son gros crise li, gen moun ki mouri pour ça. Il y a des gens qui mourent, qui ne peuvent pas gérer ça. Donc, mais pourtant, qui ça qui fait ça? Donc, téléphone, c'est espace. Et, si téléphone, et si le faux font en sorte que téléphone toujours un code. Et ordinateur toujours un code. Donc, et puis, donc, si, bon, si on a un foyer, ou un mari, ou fait confiance, ou bien ou madame, ou fait confiance, etc. Donc, peut-être qu'il y a l'autre bagage qui a partagé, c'est vie privée, c'est mariage, c'est l'autre affaire. Donc, mais, donc, bien on sait de et accès, personne pas de gagner. Donc, dès qu'il y a gagné, donc, moun ki zan moun jodi, capable, et bête noire pour demain. Donc, bah, yon ka changé en raison de intérêt, zan mita yon changé facile. Donc, on y a, donc, lola ge tout bagay nan men moun wap vo, yon série de photos, etc. Donc, et visage, tout bagay pare, donc, c'est ça. Donc, après, ka gagné et conséquences. Donc, et les gains vengeance, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui gèrent ça. Ils cherchent un genre au passé de ça, ils ont fait beau avec, et puis ils cherchent un genre au sauté avec. Donc, mais il y a des gens, c'est mourir, ou bien ils ont des problèmes de santé mentale, et puis il y a des gens qui se suicident à travers le monde et à cause de ça. Et il y a des gens qui sont victimes de type de harcèlement, ça. Mais si les gens n'ont pas accès avec eux, donc ils ne peuvent pas faire rien. Moi-même, sérieusement, je conseille de. Et quand les gens qui t'ont raconté mon expérience, que. Et grand monde qui écrit sur TikTok, moun nan dit comme ça que li son fi a dit comme ça pour li wèl gon beau corps pour li déshabiller pour montrer col et puis pour nous bagarre etc. Ni à la lèl dit ça me dit oh moi qui ça l'envie fait qui ça l'envie fait li envie fait li wèl monsieur a son monsieur qui semblait ka gen ti kòb qui a vécu aux États-Unis li besoin fait et fait comme si li et comment on capable dire on appelle vidéo avec pour les filmer qui tout tourne ou bien qui a foncé de bagages qui gênant et bien après pour le cas dire comme ça s'il est pas et balcon la publier vidéo bien la blague vidéo à tout partout pour la faire vidéo à populaire dans les réseaux haïtiens etc. pour le faire perdre de temps en temps pour le faire à balcon etc. donc c'est ça donc il y a plein de monde qui comprend dans genre de situation ça faut nous connaître que tant nous ka moun nou konnen zanmi nou fami nou moun ki te toujou proche nou donc moun nou konnen nou fè konfians donc gen kek bagay nou konnen nou pataj avè depi trè lontan donc et nou ka fè en sorte que nou et si gen yon seri de bagay ke nou ap eksplike yon seri de bagay nou peut-être que c'est avec eux que nous capable prioriser yon seri de accès donc peut-être que nous ka aller dans sens ça ensemble avec mais sous Internet, là, on sent un petit message et puis s'attendait à tout. Et puis s'attendait à tout le monde envahissant, on dit, mais qui ça vous fait, mais qui ça, etc. Donc, même moi pressé. Et puis, on a fait gros off, on a montré combien c'est, etc. Donc, fais attention parce que, bagaille, ça a eu, en pile, ça a eu. Donc, là, on va gagner de ça, qu'on est l'origine pour le dire. Eh bien, comment on peut protéger vie pour vivre sur Internet, là? Donc, et quoi qu'il n'y ait pas trop courant sous téléphone, il y a un téléphone qui est plus sécuritaire que l'autre, mais et sous appareil d'utiliser utiliser antivirus, et puis pas laguer n'importe quelle information sensible sur Internet, n'importe côté. Créer un mot de passe complexe, j'aime dire créer un mot de passe complexe, hein, faire en sorte que il y ait des caractères spéciaux, des chiffres, et puis il y ait des lettres.
gen nom, san ke nou pou oblije ap diyen 2, 3, 4, ou bien Jésus, ou bien mon amour, ou bien love you, donc c'est trop facile, donc il va permettre que si on prend contrôle, donc il va faire l'autre bagarre ensemble. Donc, Jean Baye, donner au personnel l'importance, c'est qu'on sort de Baye, mot de passe, l'importance, parce que c'est porte entrée qui menait vers et données personnelles. Donc, c'est ça. Par exemple, pour y a là, moi-même, j'ai une banque, moi, je suis tout à fait, tout à fait. Donc, c'est mieux tout à ça. Donc, on ne peut pas rendre tout de suite comme ça pour vous concerner des codes de FM. Il n'y a pas comme ça. Donc, vous imaginez, vous avez accès à tout à fait, tout à fait, tout à fait, non, donc, c'est ça. Et puis, utiliser VPN pour naviguer de façon anonyme, ça, vous avez besoin qu'on ait un côtoyer. Et puis, il y a un navigateur anonyme, tout. Que vous pouvez utiliser sous navigateur de côté et pas navigateur anonyme, navigateur privé que vous pouvez utiliser pour pas vous pas obligé quitter trace. Et puis supprimer cookies qui installé sur appareil yo, et qui, parce que vous comprenez information, ça vous comprenez sur appareil yo, vous sensible. Et puis et supprimer historique navigation. Donc parfois un conseil de et bagaille qui connaît été sous appareil yo. Donc, même si ou même les con et moi, vous me dites, bon, et les films, si j'ai une question, je vais pour m'aller rapide, moi, je vais dans 30 minutes, je vais pour finir bien rapide. Et supprimer les cookies d'un appareil qu'on a installé, ça nous-mêmes, nous pas nous compte sous téléphone, nous, et puis, et supprimer tout sur navigation, nous. Donc, si on moun vini et son appareil ou ap utilise ou bon tap prete, donc conseil de bagay ou pa ka kite ou tout moun oblige apwe, tout ap regle sou li, et puis désactiver GPS sou téléphone dans situation pa nécessaire. Donc, sou pa kon bagay ou ap fe, se pa ou koto bezon ale ou pa utilize GPS nan, GPS nan pa bezon ouver tout bagay ou pa bezon lokalize tè tout. Donc, utiliser bien sécurisé seulement tout. Donc, il y a HTTPS. Donc, parfois, il y a un série de liens. Les gens ont un boost. On a un série de liens qui bien vague sans HTTPS. Et puis, il y a un série de liens tout qu'on a malveillant ou a publié sous et WhatsApp yo, pour dire qu'on mette information ou bien mais, pour changer mot de passe ou parce que puis a tes comptes ou bien on comme ça. Donc, et peu importe. Parcourir prenant et prenant piège. Donc, tant de bagages rapides et où est mon pi pressé, c'est tant tu as envie bon sou. Donc, nous-mêmes, mettez tête nous en place. Utiliser VPN dans l'affaire ou fait public parce que communication pas cryptée pour empêcher mon les données nous, et n'a communiqué. Régler profil nous dans la façon pour ne pas paraître sous moteur recherche. Donc, il y a des gens qui font ça. Donc, ou cas les possibles mais sur Facebook, presque sur les réseaux sociaux, l'air ou ou obligé vle pour tout ou son personnalité publique. Pour si on moun achè sou Google de obligé joindre ou ka arranger tout profil ou de façon qui permette que ou pas paraître sous moteur de recherche parce que pas besoin si ou besoin populaire ou bien besoin vendre une série de bagages ou bien on et on sait ou besoin ça même pour intérêt ou donc ça sont l'autre bagage mais si pas besoin ça ou capable bien possibilité pour pas paraître sous moteur de recherche et puis ou ka mandé sous une série de bagages sous ou ka mandé pour effacer sous Google pas utiliser même mot de passe côté parce que depuis au jeune monde donc le jeune tout donc c'est pas bon et puis effacer vieux photos vidéos que pas très en public sur téléphone donc et même parce que téléphone nan kwa ki li y kon gen mot de passe kon konseye de bagay parfois le ka tombe nan mauvais mais donc c'est ça kon bagay ki ou sent ou pa les ave ou pa kite ou sou téléphone donc c'est très important toujours utiliser identification à deux facteurs email ak téléphone donc li important que les on mon par exemple li konnen que li pirate ou c'est email ou gen et puis pourtant ils vont un code sou téléphone ni a laisser mon adresse ça vont un code moins donc ou getan konnen ou sou men donc ou pa occuper moun nan ou nou a juste changer mot de passe ou vous moun sa de donc c'est ça assez que réseau social ou privé donc pour tout le monde pa gen accès à photo vidéo si bien sûr que vous pa vle pareil comme personnalité publique ou pa vle vendre série de bagages ou pa vle donc c'est ça donc c'est pas dans tout cas. Si vous avez utilisé un appareil qui, pas pour vous, toujours songer déconnecter avant d'aller. Grand pile de monde qui fait IRS, ça. Donc, dans le cybercafé, il était très commun, il y a des gens qui quittent pas, je tout ouvert. Donc, il y a des gens qui ont. Et bien après, les gens qui quittent pas, je ouvert, il y a des gens qui viennent, si maillent l'obéissance sous page.
et puis s'entendre à tout vidéo pour nous partager et puis bagaille et puis s'entendre à tout dit compte piraté il tombe partager vieux bagaille et puis s'entendre à tout dit compte mon piraté compte mon piraté mes amis compte mon piraté donc pourtant c'est compte là qui était ouvert c'est pas piraté piraté non qui était compte les ouvert sous page monde donc c'est ça donc ça a été très commun donc et moi plusieurs fois aller mal dans cybercafé c'est moi qui t'ai déconnecté autrefois pour un bon monde et puis après pour me reconnecter parce que mon qui n'est pas jour pour ouvrir dans cybercafé donc c'est ça. Toujours garder qui autorisation par application qui soit appareil. Appareil soit appareil qui n'a même nous. Donc parfois on conseille d'autorisation, on va prendre pour ça ou bien. Donc pas qu'à dire où c'est et yon application pour jouer et pour gagner ou besoin d'autorisation à photo vidéo ou besoin d'autorisation avec et localisation. Pour qui ça? Donc pas besoin d'autorisation ça c'est je m'a c'est je m'a donc et si qu'on y a là, on application qui permet de cuire à l'autre côté. Donc là, GPS est important. Donc, sous son application qui permet de partager une photo sous application, ça. Donc, on voit l'application Instagram, besoin de partager une photo. Donc, on doit avoir autorisation pour photo ça, pour avoir accès à la photo pour partager. Mais si ce n'est pas ça, donc, il n'est pas obligé comme si pour me et pour me larguer tout bagaille, n'importe quoi. Parce que dès que vous avez l'application autorisation, donc, si moun ça fait des autres, non seulement il y a accès avec photo à, ou bien vidéo, etc., mais il a publié pour vous normalement. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Donc, c'est ça. OK? Qui ou l'acteur partie prenante yo. Donc, là, je dis acteur partie prenante, donc c'est gros autorité ou bien avec mélange avec entreprise et organisation société civile qui ça au café ou même. Donc, et gouvernement doit reconnaître protection vie privée comme un droit fondamental pour citoyen, assurer une protection juridique pour prévenir quelle violation Internet permet. Donc, c'est ça. Sénateur et député doit examiner l'ancien droit sur protection des données à vie privée pour. Et puis ajuster ça qui manquait en rapport avec nouvelle technologie pour permettre aux citoyens de bien bon gens protection selon Jean Mondjodi a pas avancé. Organisation société civile doit engager dans permettre sous-pied activité sensibilisation pour permettre aux citoyens de comprendre pour qui ça est nécessaire pour protéger les données à vie privée sur Internet. Non? Et puis, entreprise doit respecter et protéger la vie privée avec toute loi qui campe avec ça. Et à dans toute activité commerciale. Et puis toute organisation doit évaluer tout risque pour vie privée, les affaires recherche, traiter données, monde, et puis prendre mesures pour protéger données. Donc, nous, bah, c'est ça très clair. Et puis, bah, c'est aller sous l'IA. Bah, c'est si il y a une question qu'on a, bah, me quitter poser des questions. Et puis, nous sommes capables de garder ça. Donc, et t'es qu'à d'abord nous toutes les présentations. Et puis, nous sommes capables, si nous posons des questions, nous sommes capables de poser des questions. Merci tout le monde. Merci, t'es qu'à. Merci, collègue. Merci. Merci en pile. Merci en pile. C'est belle présentation, ça. Nous titan record, on touche un paquet de bagages. Et pour. Non seulement m'ta dit font tout d'horizon de tout ça qui cap est fait et en point numérique là tout côté moun nan li capable connecter et qui danger qui lié avec ça yo et comment pour moun nan gérer téléphone ni cookies li tout ça et chaque thème ça yo ko touche a yo ta ka font sujet et pour présenter on présentation à part eux même mais pour vraiment synthétiser pour permettre que au capable faciliter tout le monde et m'ta dit bay moun yo on vue globale de empreinte numérique là et ouais comment vous capable et protéger. OK, nous allons passer dans phase question hein, parce que je pense que chaque monde qui là capable de un cas spécifique qui ont bagaille qui pas clair que nous allons clarifier nous allons faire petit restant dans et question ça pour permettre que nous clarifier des bagailles précis que nous capable bien et m'a invité nous tous et nous capable gagner en pile dans question ça qui posait à qui sur chaîne YouTube de Ked là et nous mettre aller sur YouTube et écouter Ked n'a joindre des vidéos de 3, 4, 5 minutes qui, par exemple, soit expliquer qui ça un cookies, comment pour capable gérer un cookies, lui expliquer par exemple, les profils Facebook ou qui j'en pour gérer, et WhatsApp pour, et tout ça, un paquet de vidéos, n'a besoin de sous chaîne YouTube de Kedda, nous mettons à aller critiquer, n'a besoin de chaîne là, et puis n'a pas capable de suivre ça. Et puis, dans l'autre digital talk qui peut venir, nous pourrons traiter et toutes questions ça. Merci encore.
et collègue Oubel Sendi pour présentation ça et belle présentation et Kounia m'a passé la parole à nous toutes qui voulaient et poser une question pour nous capables clarifier et des éléments qui pas fin clair pour nous et n'a fait ça et deux façons si y en a nous et qui capable parler nous pas de difficulté pour nous parler selon côté ni a n'a levé main nous mettre et icône côté pour nous lever main m'a pour ça m'a donné la parole. L'autre monde qui a des difficultés pour parler, nous mettons écrit dans le chat là et puis m'a posé et collègue Sandy question et que les mêmes là capable de répondre pour nous. Nous avons 20 minutes qui étaient pour nous faire reste bel échange. OK, nous avons Jim la porte qui levait main et en attendant nous avons un message écrit. Songez l'autre monde qui peut pas parler, nous avons et un message à l'écrit, mais en attendant, m'a bay Jim la parole qui a une possibilité pour lui capable de dire question par là et au cas où vous venez coacher. Bonsoir, nous comptons avec nous. Oui, ma félicité Ticket pour l'initiative ça qu'elle prend et dans l'objectif pour le former pour les deux jeunes de former tête plus bien et une façon pour yo capable plus bien et comporter dans cyberspace là. Bon moi et ça me gagne c'est pas seulement une question, c'est son débat que me toujours aimé lancer et récemment me songe que me fait un commentaire sur un poste que Youth IGF te fait. Et sur ça qui a à voir avec les lois qui existent en Europe et pour combattre et ça nous les Black Hat hackers, pardon. Et moi, comme un défenseur accès à Internet, et une problématique que je toujours soulevé, c'est problématique question protéger vie privé monde en ligne et combattre cyberattaque. OK, qui ça me l'a dit? En fait, nous connaissons que gon paquet d'organismes qui là tant Nations Unies qui a défendre droit pour moun yo gagner vie privée en ligne et comme ça tout nous gagner et pays yo nous gagner de l'autre loi qui là qui pour on dit combattre monde qui a fait et qui a entravé et on dit vie et moun yo dans cyberspace là. Nous toujours demander et comment nous capables réussir joindre une sorte de on dit une sorte de melting pot, une sorte de point commun entre protection vie privée en ligne et on dit ça n'ta carrelé combattre on dit cyber attaque et non et on dit pour faciliter que Mounio en dit pour faciliter que Mounio et puis bien profiter et toute opportunité que Internet la capable offrir toujours et toujours aimé soulever débat ça toujours aimé tendez avis chaque monde que me connaît qui intéressé avec et tout ça qui a rapport avec Internet comment les comprennent approche ça concilier vie privée en ligne et protection et assurer que Internet là n'est pas venu tourner en enfer pour que tout le monde puisse profiter de toute opportunité qu'il a offert. Bon, baronne, et me lancer et en disant m'ouvrir et porte là au bête, baronne, soit penser par rapport avec ça, m'a m'étendre et avis ou par rapport avec problématique ça. Merci. D'accord, et merci, et Jim Laporte, et m'a salué, et Président Stéphanie, et qui est là, avec Président Stéphanie de ISOC Haïti, et VP, vice-président, et Max Asonan et tout, donc, battre ça au départ. Et donc, et pour question, Jim, donc, je passe au fond, tirer. Et nous pensons que, en fait, si nous avons dit pour Haïti, nous pensons que nous gagnons un pile manque. Et puis, si nous protection et données, donc, de la protection données et cybersécurité, comme si dès que on protège, par exemple, on dit comme ça, et cyber, on protège, et comme on dit, protéger données, donc, les volets, en tout cas, et comme on dit, les pirater, et une entreprise ou bien autant de bon comme on dit breach ou comme ça et data breach et j'ai encore dit donc les gains c'est données perdues donc
c'est toujours un rapport, toujours un rapport avec données. Donc, je pense que pour les pays européens, donc nous avons RGPD, donc pour question sur protection des données, puis le conseil de politique est très avancé dans ça a un rapport avec la cybersécurité, et puis nous avons une institution qui gère ça récemment. Et nous connaissons que le Canada a même un ministère qui a un rapport avec soit Québec ou bien Canada en général, qui a un ministère qui est lié avec la cybersécurité. Mais je pense que pour nous-mêmes, bon, la CAI pas nous, je pense que nous avons un grand pile de bagages pour nous faire, et toujours, et puis pour nous permettre et non seulement nous protéger et entreprises dans le cyberespace, mais pour nous protéger chaque grand monde, tout, chaque grand citoyen, tout. Qui dans cyberespace. Donc, c'est ça. Donc, et puis, et pour nous parler des citoyens comme ça, c'est parce que je pense que ces mesures, ça remplit les pays et prend. Donc, pour permettre que, pendant que, conseil de, donc, on a entendu que, et RGPD, donc, du Conseil de l'Union européenne, et seulement pour question règlement pour protection des données. Donc, les l'autre citoyen, donc on regarde ça, c'est pour pays Union européenne. Donc, comme si ils ont même donné aux importantes et puis donné pour eux-mêmes. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que le gouvernement doit mettre en place et faire en sorte qu'il y ait un conseil de politique, qu'il y ait une institution qui est forte et puis qui peut gérer ça. Et puis, même penser que nous avons besoin de base pour ça. Je pense que c'est presque ça, m'a dit. Et sous ça, et je ne vais pas te dire. Donc, on va prendre ce qui est mon capable. Merci. Merci un pile et pour un point que vous faites sur les questions qui me lancent. Encore une question qui a fait débat, même débat de 2 ans sur ça, parce que là-dedans, il faut gagner tout, et parti pour nature, gagner responsabilité par eux, et faut nous garder vraiment, je dis, la responsabilité chaque parti pour nature, et voir comment pour nous capables vraiment de mettre les questions ça en place. L'État, société civile là, communauté technique yo, institution yo, entreprise yo, et nous-mêmes qui sommes utilisateurs yo, tout le monde a vraiment gagné et question ou et question par où par rapport avec ça. Il y a Fegens qui levait main et pas trop long, nous allons bailler Fegens sa parole pour question par là et après on a passé avec une autre question. Entre-temps, songez, si nous-mêmes, il y a un monde qui n'est pas capable d'aller, nous capables d'aller dans le chat là. Et poser des questions, nous devons quand même répondre maximum de questions, même si le temps lié à valer nous. Et nous avons une possibilité avec nous capables d'aller sur la chaîne YouTube de là pour nous suivre de l'autre question qui spécifique par rapport à Younan.sa, si vraiment nous n'avons pas de temps couvrir dans la séance. Fegens, bonsoir, la parole c'est pour vous. Bonsoir tout le monde. M'espérer nous t'entendez assez bien. En fait, profitez vous et un gros coup de chapeau pour Teket qui décide d'organiser un gros digital talk sur empreinte numérique qui sont un sujet qui peu connu en Haïti. Et moun yo a victime de empreinte numérique, mais yo pas connu si c'est ça. Bah, je veux dire, c'est en grande première, c'est un pas qui est assez intéressant pour ça qui a un rapport avec protection et numérique en Haïti. Et par rapport à la question et Jim Laporte te posé, ma petite question, c'est assez intéressant que nous vivions poser une problématique comme ça. Mais on va essayer de comprendre par rapport avec Moon et puis surtout lié par rapport avec numérique. En fait, depuis que Moon, c'est Moon a fait utilisation et de un objet quelconque. Soit nous, elle a une dualité à, qui c'est bien ou bien mal. Et ben c'est pas tout le monde qui va aller dans le sens bien. Game c'est un autre sens à l'appel. C'est de même pour l'espace numérique. Là. Game nous-mêmes qui avons choisi de faire une bonne utilisation de lui. Comme ça, tout le monde qui a choisi de faire une mauvaise utilisation, soit par rapport avec besoin de lien. Prenons par exemple, spam, ben c'est. Il y a des choses qui ne sont pas à éliminer. On a toujours gardé dans quelle mesure il est capable de prendre comme monde sur Internet là. On a toujours gardé dans quelle mesure on est capable de prendre et faire mon chantage. Mais c'est pour les questions qui est capable de poser, c'est qui sont capables d'atténuer ça.
comment nous sommes capables de faire en sorte que ça diminue. Moi, c'est vraiment interrogatif là, par rapport avec ça. Et nous tout profiter de la question. Si vous avez une question, c'est pour Robert Sandy. Si vous avez un en Haïti qui est victime de l'empreinte numérique, qui est-ce qu'il a voté plainte? C'est une question de ça, merci. Merci, Fegens. Et qui côté mon est capable de plaindre? Nous avons un slide et que le collègue Padgett a touché sur ça, la loi, et question la loi en Haïti avec ça. Je pense que peut-être qu'il va tout profiter et rentrer sur lui. Merci encore pour la question. Et collègue Bette, nous avons la parole. D'accord, et merci, merci, et Fegens, pour aller et puis pour la question à tout. Et parce que pour ça dépend de cas, parce que quoi que pas gagner un encadrement légal explicite, nous capable dire, mais ça va empêcher que si gagner un série de cas, parce que formule là, par exemple, regardez-moi, ne pas les yeux à l'image, vous pouvez sur tête, bon, essayer de passer, de partager l'écran et sur ça, et puis peut-être que ça a aidé. Ça l'image sur Internet, ça pour faire. Donc, identifier contenu qui ça loue, signaler sur plateforme. Non? Donc, son façon pour. Et vous pouvez inviter les gens à faire ça à tout, pour retirer ça sur plateforme. Non? Donc, comme contenu qui est inapproprié. Mandez conseil sur ça. Voilà, plus monde. Donc, c'est pas aller pour aller baisser ton côté. Pourquoi? Donc, mandez expert tout et conseil sur ça. Donc, et puis. Et prendre compte niveau météo et pour météo sous et avoir bon c'est soit avant victime ou bien si vous êtes avant victime pour tirer l'image ça sur internet là pour pas météo donc il y a plateforme qui permettent que et penser que comme baptiser et plateforme ça et un commencement qui permettent que même si mon les mon et même si tu effaces le contenu, on a essayé de republier, donc vous mettez sur la plateforme non, pour ne pas avoir aucun côté capable et accepter en ligne encore. Donc, on n'a pas publié encore sur aucun côté sur Internet, là, et surtout sur Facebook, etc., sur la plateforme. Ça. Donc, situation ça, c'est une situation de crise. Là, bon, pour les gens qui pourraient aider, les crises, et puis, ça qui est plus important. Donc, au lieu que nous pensions avec ça, donc c'est toujours faire en sorte que nous faisons prévention. Donc, et qu'on est que nous avons un espace numérique qui est fragile, c'est pas tout le monde qui aime nous, et il y a des gens qui ont un compte avec nous, donc qui ont voulu gérer comme ça. Donc récemment, là, nous avons une vidéo, donc il y a un journaliste qui a été fait pendant les. Donc qui partageait normalement sur Internet. Donc nous avons des gens qui ont fait un bon buzz avec ça. Même si les journalistes cherchent des gens qui peuvent gérer ça dans la communication, chercher une plateforme pour gérer ça, mais nous connaissons tout que et ça est un bon bagage qui est facile. Donc c'est ça. C'est un bon bagage qui est facile pour lui. Donc il n'est pas facile pour personne. Donc ça pour nous comprendre, c'est que, comme on est capable de dire, prévention, et tant qu'on a fait prévention, c'est plus. Donc, comportez-nous en façon que nous façon pour ça pas arriver. Et puis, si ça arrivait, donc, faire en sorte que nous connaissons crise liée, qui cherchait si pour nous être capables de gérer. Mais il y a quelques cas, donc si nous sentons grave, donc nous sommes allés dans la police même si tout, jusqu'à présent, et pas un environnement légal, et donc même si tu as des consens pour aller, donc qui ont pour aller dire ça, qui ont pour aller identifier ça, etc. Donc, qui est comment pour aller identifier les gens qui ont fait mal là, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça fait un mécanisme qui permet que, ou capable et retirer le contenu sur la plateforme, non, ou bien et signaler le contenu, ou bien permettre que le contenu ne soit pas sur la plateforme, c'est ça. Et puis, un cadeau avec un monde pour parler. Qui peut pas l'avoir et qui peut permettre qu'il y ait une force pour traverser bon ben ça. Merci, c'est ça que je suis capable de dire. Merci encore, merci encore. Et collectif pour répondre ça. Nous avons une question qui se chat là. Vraiment, il n'y a pas avancé sur nous. Et on apprend deux questions encore. Il y a un qui a levé main, qui a parlé, et puis plus ça qui est dans le chat là. Et là, je prends seulement deux et pour permettre que nous sommes capables de respecter le nom. Et question à prendre sous chat là, c'est Wood Hodgson.
Merci, Noé Sidi Poseli. Bonsoir, monsieur Wood, étudiant Sciences Po dans l'IRISS. Je félicite nous pour belle initiative, c'est là, parce que c'est vraiment important. Journée jeudi. Question qui est là, qui a rapport à cause supprimer données. Il toujours tendez, il dit, même lorsqu'on a supprimé un ensemble de données sur appareil, ça veut dire qu'il disparaît définitivement sur appareil, c'est là. Est-ce que ça possible vraiment? Si oui, qui ça m'a fait pour supprimer les données définitivement? Et ça, c'est préoccupation et aux zones qui dans Sciences Po, dans l'IRISS, comment les cas assurer vraiment et données supprimées définitivement sur appareil. En fait, soit, par contre, il voulait parler sur appareil, sur téléphone, ordinateur, ou bien le plan global, s'il y a une question qui est sur Internet là. Mais bah, c'est l'essentiel, grand point de question, parce qu'on est capable de cerner les collègues. D'accord, et merci pour question. Parce que dans ce sens là, c'est que Yoron dit, même si bah, il est effacé, il montre que l'information est effacée tout de suite, mais elle est connectée sur serveur et plateforme. Non. Donc, parce que, dès que il est effacé, donc, pas une capacité technique pour m'entrer pour me dire vraiment vrai, mais qui j'en découvre ou dit l'effacer sous serveur là, l'effacer, c'est l'effacer sous serveur là, mais en fait, ça me connaît, c'est que en fait, je dit donc que les plateformes, même sous web et contenu sous plateforme, donc même par exemple personnellement, ou t'es gagné l'effacer, donc li pas effacer définitivement parce qu'il y a quelqu'un qui conservait sous serveur. Et puis il y a quelqu'un qui racontait, peut-être que, en fait, bon monde qui te racontait l'expérience, qui pendant que nous étions en conférence, c'est du conseil qu'il y a une information, qu'il y a un bagage qui était effacé, et puis il vient de réouvrir encore. Par contre, si c'est Tetli qui si c'est un problème avec Tetli, mais il dit qu'il était effacé, mais il ouvre encore. Mais jusqu'à présent, pas appuyer ça. Mais là, il dit pas effacer dans le serveur, pas dit pas effacer dans le sens que mon pral web et sous plateforme. Sous effacer sous plateforme, donc il pral, ça va dire pral revue, il pral retourner de temps en temps, etc. Donc, ou effacer, donc, ou pas pour elle. Donc, ça va dire tout l'autre monde pral web, tout. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je comprends. Peut-être que si on espère qu'il voulait ajouter un bagage, il est capable d'ajouter. Donc, merci. Merci, merci encore, et collègue Goubert, et merci parce et vous pouvez comprendre et quand même Jean ou aborder les questions. Et nous pas connaître si bien l'autre question, commentaire ou bien et qui veut mentionner, moi qui appelle nous venir quoi n'a pas je peux refermer encore. Et vraiment saluer et féliciter nous toutes qui étaient là ensemble avec nous pour la session ça. Et merci spécialement avec un peu de nos amis autres qui sont là avec nous, l'autre en conseil et président et Max qui est avec nous. Et puis l'autre membre qui est là, l'autre et collègues de l'université, tout le monde qui participait dans la session ça, l'autre en qui est avec nous. Nous content que nous t'ayons participé. Étant donné une baguette et l'autre question qui spécifique encore, nous avons dit nous toutes. Et merci. Et question sur cookies. Tu as une question sur cookies et nous, moi, mettez une vidéo pour nous dans le chat là, que vous êtes capable de jouer plus de détails sur lui et pour permettre que vous êtes capable de jouer plus d'informations. Et nous connaissons pas capable de couvrir tout élément honnête, mais nous espérons vraiment. Il y a une question comme ça, l'ouvrir l'esprit nous sous et vraiment qui j'en dois protéger tête nous dans le cyberespace. Nabdi nous, et mon dernière question dans le chat là, que si allez moins, mais étant donné nous avons parlé, mais étant donné que c'est une question qui écrit, n'a pas en ligne, mais c'est vraiment dernier. Bonsoir à tout le monde, moi c'est John McKinley, étudiant philosophie dans l'École normale supérieure. Moi, je travaille sur question numérique là, qui
avec nous et les cyberespaces, offrir individu à un autre espace pour performer, qui prend la naissance à une autre forme d'identité qui c'est l'identité numérique. Qui problématique nous pensons qui a posé qu'on y a les gens pas choisi créer une identité numérique qui conforme à l'identité sociale. Dans le sens, moun n'a pas jamais un compte qui fait avec mon nom, mettez faux nom, faux date naissance et la ville. Et voilà, collègue Obed. Je pense que c'est une belle question pour nous faire mes sessions. Hein? Et moun n'a voulu faire un parallèle à la question identité moun n'a gagné dans la vie physique, j'en ai là avec d'elle monter sous plateforme, D'accord. ça a choisi qui est différent. D'accord et merci, merci pour la question. Je pense que et gain droit tout pour moun nan li agi anonymement sur internet là donc et c'est vrai que plateforme yo vle que c'est vrai nom moun mette ou bien et comme capable di pou capable identifier yo donc il y a pile façon tout gain plateforme même qui mande pour bay une pièce d'identité yo sûr que c'est ou même donc surtout nan gain sous besoin certifié ou bien sous conseil de étape qu'on demandait pour bail avant même pour dire oui c'est ou même donc c'est parce que on a des possibilités pour pas utiliser vrai nom donc il y a pile monde jusqu'à présent pas utiliser et vrai nom donc ça compte dans ça tout c'est que et parfois mon on utilise un autre nom donc il y a contenu hein? Donc les qu'on y a un monde à chercher besoin gain contenu lié ou gain accès à contenu lié, donc il pas besoin ni facile. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas quoi, moi-même, je ne sais pas quoi son problème. Donc, sauf que, sous créer identité, ça, on connaît que c'est pas une identité, ça, on connaît que, par exemple, c'est privé, donc, vous mettez sous tel nom, ou qu'on a qui est-ce qu'on va parler. Donc, vous dites, mais qui m'a parlé, mais qui est-ce qui n'a le réseau, mais qui est-ce qui connaît, c'est vous-même qui utilisait non ça, il ne voit pas là avec. Donc parfois, ou juste mon café, et pour le protéger, tête et tout. Donc c'est ça. Donc il n'est pas obligé, et s'il pas besoin de nom, si on peut, il n'a pas besoin de nom public pour tout ça le partager, puis tout le monde connaissait lui-même. Donc mais lui-même, il n'a pas voulu ça. Donc il voulait son bagage qui est très privé. Donc il y a trois grands amis qu'on parlait. Donc, nous avons les États-Unis, le Canada, qu'on parle avec les vignes, mais par contre, utiliser contre ça pour les fans, et encore que parler avec eux. Donc, c'est ça. Donc, les recherches, qu'on n'a pas besoin de donc, il n'y a pas besoin de tout le monde de jeunes. Donc, il fait et pour protéger tête. Donc, moi-même, personnellement, je n'ai pas eu aucun problème avec ça. Donc, mais, sous besoin, il n'a pas d'identité numérique. Sous besoin, on est que. Identité numérique, ça, qu'on a besoin. Parce que, il demandait dans le travail, on a demandé bien, dans, et non, c'est de l'autre bagaille, travail, et puis, bien, non, c'est de bagaille, ou aller quand même, il y a demandé lien sous compte. Donc, et puis, ça, et profil, ou qu'a gagné plus de valeur, sans qu'on oublie janvier, donc, qu'a permettre que ou jeune job. Donc, c'est ça. Mais si ou compte ça, ou pas utiliser le pour aller dans ce sens-là, donc, ça, c'est. Et on a cousu. Merci un peu. Merci encore, merci et collègue malheureusement nous avons campé là et avec échange et ASOEA. Nous disons tout le monde merci parce que vous êtes intervenu avec nous. Nous connaissons un peu le monde qui était sous soif. Nous pas prendre toutes les questions. Mais nous espérons non. Et prochain Digital Talk avec prochain échange que nous allons gagner, nous sommes capables de prendre et permettre tout le monde capable de faire intervention. Nous avons dit que nous gagné un peu d'autres activités pour faire un EA et pour début 2024, là, ça veut dire que nous avons été connectés ensemble avec nous pour un EA. Par exemple, prochaine activité que nous avons gagné, c'est le 31 décembre. Et nous avons une session et capturer une temps pour nous voir comment nous sommes capables d'utiliser Google Sheet pour nous sommes capables de gérer et budget nous pendant l'année 2024 là. C'est pour un bel échange nous avons fait ensemble avec moi et nous inviter nous tous pour nous capables de rejoindre. Et c'est pas ça seulement et nous allons gagner 4 janvier nous avons un lancement 5e anniversaire Ticket parce que j'ai dit Ticket c'est 2019 2024 2024 là fait nous 5 ans et
Nous allons lancer un concours, un grand concours qui a fait sous question, ça en a parlé à question cybersécurité. Et nous, tous qui là, à tout l'autre monde qui est intéressé, pour avoir une occasion à travers des vidéos pour expliquer comment ils sont capables de prendre un cas pour expliquer comment ils sont capables de protéger tête sur ça. C'est pour avoir un espace d'académie, formation ouverte. Et nous allons avoir une occasion pendant 2-3 minutes pour nous aider Mounio et accompagner. Et pendant la PDO comme ça, c'est que dans l'occasion anniversaire là, pour aller prime avec monde qui plus apprécié par jury et par public là et sur les réseaux sociaux. Et directement connecté avec toute page pour nous donner plus de détails sur le concours. Nous avons une formation sur comment pour nous exploiter tout potentiel Google Work Spaces, outils Google Work, qui a fait du 5 au 27 janvier. Et nous sommes capables de joindre l'information ça. Parce que nous avons un membre d'équipe qui va mettre dans le chat là et nous sommes capables d'utiliser le numéro de téléphone, email, et là pour nous prendre plus d'informations si nous voulons participer dans la formation si là, qui a fait 2 fois par semaine, ce 5 pour arriver 27 janvier. Et puis 29 janvier 2024, c'est à vous et célébration 5 ans, nous avons bien pour nous remettre certificat pour formation ça, nous avons bien pour nous remettre prime à tout le monde qui gagne un concours, nous avons bien un autre digital talk. Non, et 29 janvier, et nous avons l'autre événement et pour nous fêter et remercier tous les partenaires nous, qui accompagnent nous pendant 5 ans et qui peuvent accompagner nous pour nous ouvrir encore deuxième quinquennat. Et c'est merci parce que nous tous qui là, nous faisons partie du monde. Nous faisons partie du monde qui est accompagné. Qui accompagner Teken pour permettre vraiment les capables de grandir et aider nous rendre technologie à l'utilisation. Et merci encore avec les collègues Ben Sendi qui te permettent qui te mettent disponible pour nous pour belle session ça pour nous être capable de faire une vue d'ensemble sur question empreinte numérique là et ouais comment pour nous capables qui chaque élément que nous capables toucher là-dedans comment pour nous ouais en jeu comprendre en jeu et qui gens pour nous aborder pour permettre que nous sommes capables de gagner un espace et cybernétique plus sain et plus propre côté nous tous nous capables de fonctionner là-dedans parce que définitivement j'ai une dernière question à te dire nous venons gagner des espaces côté nous à fonctionner espace physique côté moi avoir nous rencontrer dans l'arrière dans la conférence dans la salle conférence la caille nous et nous gagner espace ça côté nous rencontrer à soya nous plus que 20 monde qui chita là n'a pas échangé et nous gagner l'autre monde qui suivre nous sur Facebook avec l'autre plateforme yo ils sont l'autre espace que nous gagner même gens nous protéger espace physique là nous gagner tout pour nous protéger espace ça pour rendre propre les rendre sain et nous technique capable fonctionner là-dedans faire toute activité nous là-dedans sans difficulté c'est que remercier nous tout encore nous pas qu'à nous plus que ça nous respecter tant nous respecter que nous t'es bon nous vraiment 60 minutes, nous entendons nous journée pour nous réunir et nous avons rendez-vous encore demain et nous rendez-vous 31 pour nous capables de passer avec session sur Google Sheet là. Mais entre-temps, si nous voulez visiter la page de Kedjo, visiter chaîne YouTube là, nous avons une petite vidéo qui a aidé nous grandir et puis aider nous continuer et rendre technologie a vraiment plus utile nous et rendre nous plus propre, rendre nous plus simple. Merci encore, nous pas dit plus. Nous souhaitons nous toute passer une bonne nuit et travail pour permettre l'espace numérique la capacité. Bonne nuit.